ça m'a frappé qu'aucun de vous trois ne l'ait utilisé. Je vais dire un petit mot avant de passer la parole. La première chose, c'est que la laïcité, avant d'être une valeur, et on va y revenir, c'est un principe constitutionnel et juridique. Donc, lorsque, dans sa lettre aux Français, le président de la République parle de la laïcité en préalable au grand débat national en disant « la question de la laïcité se pose en France de nouveau », non, c'est pas une question, c'est un principe constitutionnel. Et le dire et le répéter permet de remettre, sinon l'Église, au moins la mairie au centre du village. Pour ce qui concerne les valeurs, dans le cadre de la laïcité, nos 115 ans de laïcité affirmée depuis la loi de 1905 et nos 225 ans de laïcité informelle depuis la Révolution française constituent un ensemble qui perfuse la société. En ce sens, on peut dire que la société française a des valeurs laïques, qui sont des valeurs collectives de relations entre les hommes et les femmes, de liberté de parole, de liberté de vêtement, etc., etc. Mais ces valeurs ne peuvent exister que parce qu'elles s'appuient sur des principes. Donc, avant toute chose, des principes. Parce que les valeurs, le principe, comme son nom l'indique, il est au début, il est princeps, il est au début de quelque chose. La valeur, c'est comme la bourse, ça monte et ça descend. Donc, il y a des valeurs qui ne sont pas appuyées sur des principes. Et dans ce cas-là, elles sont bien ce que vous dites, c'est-à-dire que ce sont bien des opinions personnelles, des feelings, comme on le disait, des sentiments. Quand on fait rentrer les feelings, les sentiments dans le champ collectif sans les appuyer sur la loi, eh bien, il n'y a plus de société, il n'y a plus de loi, parce que de toute façon, chacun se donnera, c'est ce que disait monsieur, chacun se donnera le droit de ne pas respecter les lois au nom de ses sentiments et de ses valeurs personnelles. Non, c'est vraiment un petit mot juste pour appuyer ce qui a été dit, c'est-à-dire que par réaction, à force d'avoir ces valeurs qui vont être relatives, parce qu'il peut y avoir plein de valeurs différentes, eh bien, il y a parfois un rejet. De la même façon, je pense qu'il est important d'accepter qu'il y a un engagement éthique dans certains de ces principes. Et donc, moi, je suis ravi d'avoir entendu dire « oui, c'est une valeur, mais pas n'importe laquelle ». C'est-à-dire, le danger, ce serait de rejeter toute idée de valeur, mais l'autre danger, ce serait de les confondre aussi. Hein, certaines valeurs sont plus solides, sont premières, d'où l'idée d'insister sur l'élément du principe, qui est très, très important. C'est juste pour appuyer. Des questions ? Peut-être.